5000 Anglais, 3500 Argentins, 1500 Chiliens. Profil, aucune difficulté, bon enfant, ça devrait plutôt bien se passer à ce niveau-là. La principale difficulté qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est sur le plan de circulation probablement. Aujourd'hui, on est un samedi après-midi, il est 15h, les centres commerciaux sont ouverts. On va sur le site du stade de la Beaujoire pour la Coupe du Monde de rugby, avec un match qui oppose le Chili à l'Argentine. Du coup, l'objectif des effectifs police municipale, police métropolitaine des transports en commun et nos collègues SVP qui nous renforcent, c'est de faciliter l'arrivée et le départ de tous les spectateurs autour du stade. Good match! Les conditions de circulation vont être difficiles. Donc on a différents points de circulation qui vont être tenus. La deuxième grande mission des effectifs qui sont mobilisés, c'est sur l'aspect sécurité, avec nos collègues de la police nationale et de la gendarmerie, un dispositif important pour les questions de sécurité, ne pas oublier Vigipirate, donc une vigilance de tous les instants sur cet événement de renommée mondiale. Ça se passe comme tu veux ? Ouais, nickel. Bon. Je fais un tour de l'ensemble du dispositif. Moi, je reste sur les extérieurs. Tu vas bien, ça va ? Thierry est déjà en place dans le stade. On a préparé ce dispositif depuis de longues semaines. Donc, c'est aujourd'hui. Beaucoup de mobilisation, vous l'avez vu. Donc, des efforts, mais dans une ambiance de fête, de match. C'est une fiesta. Están todos comiendo, tomando algo antes de entrar al partido. Es lo que necesitamos. Siempre policía por todos lados, muy atentos, sí. Ahora con los perros también. Claro, hemos visto caballos, policías en caballos, a pie, todo muy bien organizado, muy bien seguro, se siente seguridad.